Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en stalking. Alors nous allons pêcher, étant un truc que je n'ai jamais pêché, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai amorcé trois endroits en arrivant. C'est ici, ici et un endroit qui est hors de l'étang à truite, donc juste ici. Bah, je vais vous montrer ça aujourd'hui en espérant que ça se passe plutôt bien. Je vous dis à tout de suite sur l'étang. Yes. Ah, sympa. Donc voilà, premier poisson avec la marguerite. Ah putain, elle est vraiment belle. Ça sera un super poisson pour la 3 pour 1. C'est un super détente, les poissons ils sont jamais bouqués ici, personne pêche là-dedans. Donc, voilà. Voilà le genre de poisson qu'on peut retrouver pas abîmé. Allez, premier salon. Et voilà. Ben voilà les amis, voilà ce qu'il y a en fait. Ça ressemble à un carassin ou un gardon. Ouais, je dis un gardon, mais bon, ça me fait chier. C'est pour ça que je cherche du coup. Bon, on va bouger, on va refaire un autre peu. Oh, par contre, le kit, t'as dit. Et voilà. Oh là, c'est un peu. Comme d'abord. C'est toujours arrosé par les petits poissons. Ah, voilà, les amis. Deuxième poisson de la soirée, bon là il commence à faire nuit, donc je vais arrêter là. Carpe commune qui fait vachement plaisir, et elles sont vraiment belles. Hein. Bon, allez. Allez, on va se remettre à l'eau. Ouais, ouais, ouais. Petit coup de toboggan. Et voilà.
Bon bah les amis, on va arrêter ici, hein. Bon, j'ai vraiment nuit, hein. Les lampadaires sont allumés et tout, c'est que ma caméra est vraiment de bonne qualité. Bon là, il doit y avoir un peu de bruit, etc. C'est trop mal, deux carpes, un gardon. Non, le gardon, on va éviter d'en parler. Bon bah voilà les amis, bon bah premier test de la canne, franchement super bien, au premier abord, forcément. Il va falloir voir sur le long terme et sur des plus gros poissons. Bon ben voilà les amis, hein, petite journée de pêche sympa encore. Je vous dis à la prochaine. Ciao !